Oxygène, émission spéciale donc à l'occasion du congrès annuel des moniteurs de l'ESF, et un nouvel invité est avec nous. Il s'agit de Christian Grange, qui est notamment le président de l'ESF de Valloire. Bonjour. Bonjour. Alors, président non, directeur dans les ESF. Voilà. Voilà, mais je suis plus directeur de l'ESF, hein. Je viens laisser ma place. Alors, quelles sont vos fonctions en revanche au niveau du syndicat des moniteurs? Donc au niveau du syndicat des moniteurs, je m'occupe du développement de ESF+. Et mon séjour en montagne, qui est une nouvelle place de marché pour vendre voilà, aussi bien des cours de ski que des forfaits remontées mécaniques, que des séjours, de l'hébergement, et puis demain peut-être aussi de location de ski et puis toute autre chose, des voyages. Alors ça, c'est donc mon séjour en montagne, c'est un nouveau dispositif. L'idée, c'est d'avoir un portail sur lequel le futur touriste en station de montagne peut retrouver tout ce dont il a besoin. Voilà, c'est une offre packaging de tout ce qui peut être vendu au niveau d'un séjour en montagne. Donc, il peut être proposé aux clients qui veulent soit réserver leur séjour complètement. Ouais. Et en ce qui concerne ESF+, là, quelle est votre mission? Alors, ESF+, bah, ça a été le début de l'aventure par rapport à la vente en ligne pour les cours de ski. On y a associé les remontées mécaniques. Et l'hébergement. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est bien en place maintenant au niveau des écoles de ski, de toutes les écoles de ski, et qui propose à leur clientèle tout ce panel de propositions. Merci beaucoup, donc, Christian Grange. On va se retrouver toujours ici à Nice, du côté de la Villa Masséna, avec un nouvel invité dans quelques minutes sur Oxygène.